Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit unboxing puisque j'ai reçu ma LeadJoy Crate. Alors, LeadJoy, c'est une compagnie américaine qui fait tout un tas de box que vous pouvez acheter tous les mois avec des bouquins, ce genre de choses. Et à peu près une à deux fois par an, ils font des éditions spéciales Harry Potter qui s'appellent donc les Magical Edition. Et ce sont pas les box les moins chères, hein, je vais être honnête tout de suite. Elles viennent des États-Unis, donc faut également compter l'envoi, etc. Mais elles sont en général très bien remplies avec des produits de très haute qualité. On va donc ouvrir celle-ci ensemble. C'est la spéciale donc Prince de Sang Mêlé, puisque c'est la sixième année. Ils font une box par livre. À partir de septembre, vous pourrez précommander l'édition 7.1 puisqu'ils vont faire deux box pour le dernier livre. En ce qui concerne cette boîte, je vais essayer de vous la montrer avec la lumière. Voilà. Alors c'est la première fois, je pense, qu'ils font une boîte donc qui est décorée. Ici, on a les mémoires de Dumbledore, donc ses pensées. Ici, on a Dumbledore et Harry dans le bateau quand ils vont chercher leur crux. Voilà, on a tout un tas de petits dessins qui sont bien sûr en référence avec le prince de sang mêlé. Et ici, c'est la marque au-dessus de Poudlard. Donc la boîte est très jolie en elle-même, c'est vraiment très sympa. Hop, elle est extrêmement bien remplie, je vous donne un petit aperçu. Voilà. Et donc, on commence tout de suite avec ceci. Donc il y a marqué « Attention, protégez ». Votre maison et famille des mange-morts. La préparation est la meilleure protection. Donc c'est un pamphlet pour se protéger des mange-morts. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'en fait à l'intérieur ce sont la description de tous les produits qui sont dans la box. Je trouve ça très sympa d'en faire une petite affiche parce que même une fois qu'on a terminé avec la box, les objets, etc. Ça c'est sympa à garder, je trouvais, justement à mettre dans mes étagères qui à mon avis vont se remplir encore un petit peu plus. Donc on pose ça sur le côté et on commence. Alors on enlève les petites choses qui sont là pour protéger les objets. Et on a sur le dessus, c'est un sac avec les frères Weasley dessus. Donc les jumeaux dans leur boutique. Hop, ici on peut voir, il y a différents l'oreille à rallonge, les decoys. Les bonbons, un Pygmy Puff. C'est une matière un peu imperméable. Je ne sais pas trop comment on va la décrire. On dirait un peu du... un faux cuir un peu imperméable et tout. Donc c'est vraiment de la bonne qualité de sac. Vous voyez, c'est très rigide. Je viens de voir quelque chose qui est juste... waouh. C'est un Pygmy Puff. Comme vous pouvez voir dans sa petite boîte décorée. Pygmy Puff, voilà, donc on va l'ouvrir. Des frères Weasley. Et il y a avec un petit certificat d'adoption, c'est trop mignon. C'est super bien fait. Donc on a le petit Pygmy Puff dans donc sa petite cage, on va l'ouvrir, je pense qu'on peut l'ouvrir. Voilà. Regardez ça! Pas trop mignon franchement, un petit Pygmy Puff avec sa petite cage. Va falloir que je lui trouve une place sur mes étagères du coup. Il est trop chou. Ensuite je vois un autre truc vraiment très sympa, je vous montre. C'est donc un... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. En gros, en cette partie-là, en triangle, vous enlevez, ça s'enlève, et vous pouvez le coller à l'arrière de votre téléphone, sur votre coque. Ça vous permet de le faire tenir ou de glisser votre doigt dedans pour pas qu'il vous tombe de la main. Et celui-ci, il est quand même magique, puisque si vous regardez bien, c'est la bague des gants. Donc une fois collé derrière le téléphone, c'est comme si... vous aviez la bague au doigt pour tenir votre téléphone et c'est collé de ce côté-là, donc ça risque pas de tomber. Ensuite, nous avons... ah, alors... c'est ça qui sentait dans la boîte, je sentais quelque chose. C'est une bougie, en fait, Amortensia.
Alors moi, le bouchon était enlevé. Je pense que ça a dû bouger pendant le transport, etc. Donc voilà, vous avez le bouchon en liège avec donc le petit cœur. Et donc mon bouchon ne tient absolument pas. Il est trop petit, est-ce qu'il est trop large? Je ne sais pas. En tout cas, il tient absolument pas sur le haut de la bouteille. Il ressort tout le temps, tout seul. C'est assez bizarre. Et donc c'est une bouteille d'Amortensia, donc la Love Potion. C'est plutôt mignon, bon, c'est un gros cœur quoi. Ensuite nous avons cette petite boîte verte, les Joy. Ouh. Alors sur le dessus, comme ceci, nous avons un petit mot. Et c'est le mot de R-A-B-O à Voldemort quand il retrouve donc son médaillon. À l'arrière de la boîte, on a un médaillon. Je vais essayer de vous le montrer autrement. Sur une grande chaîne. Voilà le médaillon. Serpentard. Donc il ressemble pas trop à l'Horcrux, hein, pour être honnête. Mais il est joli, il est bien travaillé. Avec des petites choses qui font penser à des petites pierres précieuses dans le S. Il ressemble pas à l'Horcrux, mais il est très très beau. Et puis avec le petit mot de RAB, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ensuite, on a un support. Donc à mon avis, ça va aller avec autre chose, on va voir ça. Je vois une boîte marron avec écrit « Ce livre est la propriété du prince de sang mêlé ». Donc j'imagine que c'est en rapport avec les potions. Effectivement. Hop, je le sors. Donc je vous le montre. Voilà. À l'arrière, il y a marqué nouvelle édition. Alors c'est pas un vrai livre, hein, c'est pas un carnet, c'est pas un vrai livre. C'est une... Je pense que c'est une boîte. Et quand vous l'ouvrez, il y a à l'intérieur une potion de Felix Felicis. Alors c'est des petites billes dorées à l'intérieur qui, à mon avis, vont donc avec ce fameux stand. Exactement. Voilà le stand. Et je pense que vous pouvez ensuite enlever la partie en mousse qui tenait le Felix Felicis et vous pouvez utiliser donc le livre comme une petite boîte pour ranger des choses. C'est quand même molletonné au fond, c'est vraiment sympa. Alors ensuite, nous avons un pins que je vais ouvrir. Voilà, c'est donc... Ah, c'est la pensive de Dumbledore. Oh, le pins. Je sais pas si vous voyez. Le pins tourne. Et on a donc la baguette de Suro sur le côté. Et ça représente donc la pensive. C'est vraiment sympa. Par contre, ça fait un de ces bruits. Mais c'est du beau pins. Hein. C'est vraiment... Je vais l'enlever du petit carton. C'est vraiment un beau pins. Hein. Ensuite, nous avons les cartes, les fameuses cartes à collectionner donc de Lee Joy. Ils en donnent depuis quelques box maintenant dans les éditions magiques. Alors, ils ont les éditions donc spéciales Harry Potter. Ils ont des éditions pour leur autre box également, je crois. Et il y en a 6. Et j'avais commandé en plus d'autres cartes qui avaient été faites dans une box d'avant. Parce que elles sont vraiment, vraiment superbes. Je vais vous les montrer. On a tout d'abord Dumbledore, Ginny. Ensuite, on a Rogue, Drago. Ça, c'est Slughorn. Et enfin, Tom Jedusor. Elles sont superbes. Ces cartes sont vraiment, vraiment très belles. Et j'en ai une en plus. Puisque si vous partagiez sur les réseaux sociaux donc le fait que la box était en train de sortir pour pouvoir être commandée, ça vous offrait une carte supplémentaire. Et quelle carte? Donc c'est une carte bonus du Vif d'Or. Et le Vif d'Or, il est brillant, de couleur un peu or. Elle est vraiment superbe, cette carte. Et croyez-le ou non, il y a encore d'autres choses dans la box. Au moins 4, d'après ce que je vois. Donc on va continuer, il y en a encore à ouvrir. C'est une de ces petites boîtes à musique. Et si vous regardez bien sur le dessus, c'est le phénix. Et ici, une célèbre phrase de Dumbledore.
Donc on va voir. Est-ce que, à mon avis, c'est la chanson du phénix lorsque Dumbledore meurt dans Le Prince de Sang-Mêlé. Donc c'est ça, c'est la chanson du phénix. Non, c'est très sympa, une petite boîte à musique comme ça, elle est faite tout en bois, elle est gravée avec le phénix tout autour, c'est assez mignon. Mais c'est pas la chanson la plus gaie du monde, hein. On continue avec une autre petite boîte. Dedans, on a un petit verre shooter avec, il est marqué Farewell Aragog, Kings of Arachnid. Donc c'est pour rappeler le moment, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le moment donc où Aragog meurt dans Prince de Sang-Mêlé et qu'ils vont tous à l'enterrement. C'est un petit shot. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'Hagrid il imagine les verres de taille normale pour les autres? Ça ressemble à ça, cette grosseur pour Hagrid? Peut-être, hein. Pour nous c'est des verres taille classique, pour Hagrid ça ressemble à un shot. Ensuite, ouf, il y a, c'est une book sleeves. J'enlève le plastique. Voilà, une superbe book sleeves avec dessus donc la salle sur demande. Et on, donc on a l'armoire à disparaître avec Draco, on a des petits chaudrons, une armoire, on a ici, il est trop mignon, je sais pas si vous le voyez bien, c'est Dobby avec tous ses chapeaux sur la tête, c'est assez fun. On a également de ce côté-là quelque chose avec écrit Dumbledore Army. Voilà. Et on a Hagrid juste ici. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi il y a Hagrid dans la salle sur demande. Mais en tout cas, c'est un super super dessin. Moi, je l'aime beaucoup. C'est la même chose des deux côtés, je vous montre. La qualité, c'est vraiment... C'est molletonné à l'intérieur. Je vous montre, c'est comme ça. C'est vraiment... c'est une superbe qualité pour transporter vos livres. C'est parfait. Il y a encore des choses, elles n'en finissent jamais ces box, c'est ça, et tout est d'une qualité vraiment supérieure, c'est vraiment sublime. Waouh, waouh. Alors c'est un marque-page en bois, mais les illustrations, parce qu'il y en a une de chaque côté, sont juste magnifiques. Et de l'autre côté... C'est quand Rogue et Narcissa font le serment inviolable. Et donc de ce côté-là, on a Bellatrix. C'est magnifique. Ensuite, nous avons des petits marque-pages également magnétiques ce coup-ci. Donc on a Lavender Brown avec marqué I Love 1-1. Ça, c'est Slughorn. Et puis là, c'est donc un gnome qui est accroché à l'arbre de Noël. Comme ils le font dans Au Terrier. Et il y a marqué Happy Christmas from the Burrow. Donc effectivement, Joyeux Noël du Terrier. Et il nous reste deux objets au fond de la box. Le premier, c'est cette enveloppe argentée avec un magnifique sceau d'Horace Slughorn. Le sceau est magnifique. Je vais essayer de ne pas le casser. La vache, c'est super bien collé, mais je veux pas trop tirer dessus. Ouf, je l'ai eu. J'ai réussi à pas le casser. Oh, à l'intérieur, nous avons... C'est superbe. Une invitation. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Donc, c'est une invitation au bal de Noël de Slughorn. Donc, une invitation pour le bal de Noël. Et comme vous pouvez le voir... Elle est réfléchissante, ce qu'on appelle du foil. Vous êtes cordialement invités donc à la fête de Noël du professeur H.E.F. Slughorn, qui a lieu le 20 décembre à 8h du soir. Il se trouve que le 20 décembre, c'est mon anniversaire. C'est plutôt marrant, ça me fait marrer. C'est assez cool.
Donc la fête aura lieu dans le bureau du professeur Slughorn à Poudlard, l'école de magie. Elle est superbe cette invitation. J'avoue que ça me fait assez rire le fait que ce soit le 20 décembre. Et enfin, waouh. Pour finir, c'est donc une illustration de Dumbledore comme un vieux tableau. Regardez-moi ça. C'est superbe. C'est vraiment magnifique. Je l'adore, personnellement je l'adore. Ça, ça va aller pareil tout droit sur mes étagères. Donc voilà, on est arrivé au bout de la box. Il y en a quand même pas mal de choses. On va regarder le pamphlet ensemble. À l'intérieur, je vous montre, hein, ça ressemble à ça. Voilà, une fois que c'est déplié. Donc il y a tout à propos des objets, puis il y a aussi des petites choses comme ça qui vous disent attention aux mange-morts, attention à ce genre de choses. Et il y a aussi marqué que donc l'édition 7.1, donc la première box pour la 7e année de Harry, sera en pré-vente à partir du 10 septembre 2019. Si vous êtes sur la liste VIP pour ceux qui auraient commandé cette box là ou d'autres box, vous aurez la possibilité de commander à partir du 10 et les autres à partir du 11. Donc attention, je vous conseillerais de vous inscrire sur la liste VIP parce que ces box en général sont sold out en une journée. Elles s'arrachent comme des petits pains, c'est impressionnant. Faut dire, elles sont remplies, il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et j'ai tout fait tomber. 16, il y a 16 objets d'une très haute qualité. Certes, c'est un petit peu cher, surtout avec l'envoi, mais c'est des choses qu'on trouve vraiment pas ailleurs. C'est de la très très bonne qualité. Si vous avez les moyens, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Après, je comprends que ce soit pas possible pour tout le monde, mais il y a pas mal de groupes sur Facebook ou notamment des gens qui parlent donc de ces box, etc. Pas que les Joy, mais toutes les box qui ont un lien avec Harry Potter. Ou les gens qui ne veulent pas garder certaines choses, les revendre. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ce genre de groupe, parce que s'il y a juste un objet dans la box que vous aimez vraiment beaucoup, peut-être que quelqu'un le revendra. On sait jamais. Donc voilà, je vous le redis, pour la commande de l'année 7.1, puisqu'il y aura deux box pour l'année 7, si vous êtes sur les VIP, c'est 10 septembre. Sinon, c'est ouvert à tout le monde à partir du 11 septembre. Et il y a enfin un photo challenge. Je pense que je vais m'amuser à faire quelques photos. Comme vous le savez, j'en fais beaucoup. Elles sont toutes sur mon Instagram. J'aime bien utiliser des objets que j'ai et que je trouve. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Cette box, c'était ma première. Je me suis dit que j'allais me faire plaisir parce que Le Prince de Sang-Mêlé est mon livre favori dans la saga Harry Potter. Je me suis dit, allez bon. Allez, un petit plaisir, je m'offre la Joy. Et franchement, je suis pas déçue. Franchement, je suis pas déçue du tout. Les objets sont magnifiques. Le Pygmy Puff, il m'éclate, franchement. Il est trop chou. Et c'est des choses qu'on trouve pas spécialement. Ou alors, des choses faites main, mais à des prix exorbitants. Donc, c'est pas facile à avoir. Donc, vraiment, je suis pas du tout déçue de cette box. C'est vraiment magnifique. Les objets sont de très haute qualité. N'hésitez pas à me dire quel objet vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire surtout si vous avez commandé la Lilyjoy ou si vous allez commander la Lilyjoy la prochaine. Si vous avez des questions sur Lilyjoy, je mettrai bien sûr en description Lilyjoy Crate. Puis, si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir les photos que j'aurai faites avec tous ces objets. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !